Bonjour. Donc, on va essayer de voir maintenant le corrigé de l'exercice sur les sons chez les dauphins. Donc, voyons voir. Je vais chercher l'énoncé pour vous relire. Donc, les sons chez les dauphins. Donc j'efface un petit peu ça. Donc il est dit que beaucoup d'animaux tels que les dauphins, les éléphants et les chauves-souris utilisent les sons pour communiquer entre eux, chasser leur proie ou pour se localiser tout simplement. Le cas des dauphins est particulièrement intéressant étant donné leur capacité à utiliser ce mode de langage presque à l'égal des humains, comme le disent certains scientifiques. Très intéressant cela, vous trouvez pas? Grand A, généralité sur les sons. Un son est un phénomène physique lié à la transmission d'un mouvement vibratoire. Tout objet susceptible de vibrer, vibration, disons, tout objet susceptible de vibrer peut générer un son aussi longtemps que les vibrations sont entretenues. Pour entendre un son, il faut que les vibrations soient transportées. Ces vibrations, il faut que ces vibrations soient transportées, c'est-à-dire il me faut un milieu matériel flexible pour que ces vibrations se, disons, se propagent. Donc, il faut que les vibrations soient transportées jusqu'au récepteur par un milieu, par exemple l'air, mais aussi les liquides et les solides. Les molécules du milieu qui reçoivent une impulsion sont mises en mouvement dans une certaine direction. Les molécules, les particules, on peut dire la poussière. Donc, qu'est-ce que j'ai en effet? Donc, j'ai par exemple des molécules, des particules qui sont comme ça. Par exemple, et là j'ai un certain récepteur, le tympan en effet, voilà, le cerveau qui va traiter cette information-là. Oui, donc qu'est-ce qu'il se passe? Par exemple, si quelqu'un parle, qu'est-ce qu'il va se produire? Eh bien, je vais vous expliquer ce qu'il va se produire. Donc, tout objet susceptible de vibrer peut générer un son aussi longtemps que les vibrations sont entretenues. Pour entendre un son, il faut que les vibrations soient transportées jusqu'au récepteur par un milieu, par exemple l'air, mais aussi les liquides et les solides. Les molécules du milieu qui reçoivent une impulsion, par exemple quelqu'un qui parle, je ne sais pas comment ce quelqu'un. Non, non. Comme ça, par exemple. Ah, il fait comme ça. Donc, il parle. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il dit. Eh bien, ces particules, qu'est-ce qu'ils font avec cette voix-là? Ils transportent cette information qui est notre voix. Il parle là. Il y a un choc. Voilà. Il y a là une zone de compression. Donc il y a un choc. Ces molécules, ces atomes, ces particules, qu'est-ce qu'ils font? À leur tour, ils choquent ces autres-là. Bien sûr, après avoir choqué ceux-là, ils reviennent à leur place. Donc il y a, là, on a une compression après détente. Compression, détente, compression, détente, compression, détente, arrivé au récepteur, voilà, le tympan, il vibre, et puis il y a une... on entend ce qu'on entend. Vous entendez ce que vous entendez.
Donc, une onde sonore est une onde mécanique qui a besoin d'un milieu. Une onde lumineuse et n'a pas besoin d'un milieu. C'est une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique aime le vide. Une onde mécanique n'aime pas le vide et ne se propagera pour rien au monde dans le vide. Une onde mécanique. Une onde électromagnétique aime le vide. D'ailleurs, C est égal 8, 3, 3, 10 à la puissance 8 mètres par seconde. La célérité de la lumière dans le vide. C'est-à-dire que C de la lumière est maximale dans le vide et vaut 3, 10, 8 mètres par seconde. Elle rencontre d'autres molécules qu'elle pousse devant elle. Donc, les molécules du milieu qui reçoivent une impulsion sont mises en mouvement dans une certaine direction. Par exemple, cette direction, comme je dis, dans une certaine direction, elle rencontre d'autres molécules qu'elle pousse devant elle en formant ainsi une zone de compression. À la compression succède une détente et ainsi de suite. Il s'établit alors une série d'oscillations qui se transmettent de proche en proche. Première question, il est demandé de définir ce que c'est une onde mécanique. Bon, si vous voulez voir le corrigé, visitez le site labolice.org, il y a le corrigé. Si vous voulez télécharger l'énoncé, que je vous conseille de le télécharger, il suffit de visiter aussi labolice.org. C'est un site très très intéressant. Donc, je vais répondre à la première question, c'est-à-dire que définir une onde mécanique. Donc, je vais donner cette définition. Donc, c'est quoi une onde mécanique? D'abord, il faut savoir qu'une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel. Il est flexible, en fait, c'est-à-dire qu'il reprend sa forme après la perturbation. Donc, une onde mécanique est un phénomène. Donc, écrivez-moi d'abord que c'est un phénomène. Est un phénomène de quoi? Est un phénomène de propagation de quoi? D'une perturbation. Perturbation. Bon, je perturbe quoi? Je perturbe un milieu. Donc, une onde mécanique, bien sûr. Une onde mécanique est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Alors, il faut ajouter qu'il y a transport d'énergie sans transport de matière. Il y a transport d'énergie sans transport de matière. Et c'est tout pour cette première question. Donc après, dans la part qui va venir, on va voir la suite. N'hésitez pas à voir cette suite, s'il vous plaît.